suis Élise Ligier, je travaille donc, je suis metteur en scène sur ce projet-là. C'est donc Le Monde et son contraire, portrait Kafka, un texte de Leslie Kaplan. On est au Plateau Sauvage, dans la salle transformable. C'est un projet qui est produit par la Comédie de Caen dans le cadre des portraits de la Comédie de Caen, qui était un désir de Martial Difonzobo et de moi de mettre en scène des formes courtes comme ça, qui racontent une figure, un personnage, une grande figure du XXe siècle ou du XXIe siècle, des gens qui nous aident à penser. Leslie Kaplan a écrit ce texte pour Marc Bertin, parce qu'elle l'a beaucoup vu jouer Kafka, et puis parce qu'elle-même est une grande, grande lectrice de Kafka. Elle en parle dans plein de ses livres, notamment dans Les Outils, par exemple. Je connais Leslie Kaplan depuis 1994, où on avait monté avec Martial Difonzobo, Pierre Maillet et Frédéric Lollier à la prison de Rennes, à la centrale de Rennes, L'Excès l'usine, son premier roman, avec les femmes détenues. Puis on ne s'est plus quitté. Le texte parle d'un acteur qui joue Kafka et qui se demande pourquoi on l'a toujours identifié à Kafka et qu'est-ce que Kafka lui a apporté dans sa vie à lui. Moi, à la mise en scène, j'ai tout de suite eu envie aussi qu'il y ait Jim Couturier, qui est danseur. Et tout de suite, j'ai pensé à Marc et Jim, immédiatement. Et à la musique de Manu Léonard, Manu Son, de son nom de scène, et Marc Sens, qui ont composé une musique originale pour le travail aussi. Et en fait, avec la danse qui est là, tout à côté, la musique qui est là, tout à côté, tout ça qui est ensemble, bah en fait, les mots, c'est pour tout le monde et la transformation du monde, c'est pour tout le monde. On n'en peut plus, en fait, de la réalité telle qu'elle nous est racontée. Donc, je pense qu'il faut surtout s'accrocher au rire, à l'art, à la vie et quand même à arrêter de ressasser sans arrêt le pire, quoi. Il faut arrêter d'opposer les mondes, en fait. On va inventer d'autres choses. Et ce texte, finalement, parle aussi de ça. On a une chance, une grande chance quand même, de faire les métiers qu'on fait. Et c'est bien de le redire, je pense, et de dire à quel point c'est essentiel cet acte de fiction possible, de transformation de la réalité, de changer de point de vue. Il faut donner des outils, quoi, pour pouvoir passer à autre chose. On en a marre, là. On en a marre.